Hello, hello tout le monde, c'est Lynx. Eh bien, nous voilà de retour pour un nouvel épisode de Subsistance. Alors, un nouvel épisode, vous allez voir que j'ai un tout petit peu préparé. Donc, j'ai un petit peu farmé entre les deux épisodes pour essayer de me refaire un petit peu par rapport à ce qu'on était mort. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de petites choses. Je nous ai préparé des petits crafts un peu sympathiques. On va le laisser parce qu'il y a que 10 degrés, on va encore avoir un peu froid, donc voilà. Donc, je nous ai préparé... ici, la raffinerie. Pourquoi est-ce que je vais faire ce choix-là? Tout simplement parce que on va avoir les chasseurs qui vont arriver et j'aimerais au moins essayer d'avoir le rifle. De plus, on a de l'énergie et pour faire des lockpicks, on a besoin d'iron fragments et la raffinerie va nous permettre d'avoir cela. Donc, on va crafter la raffinerie. Voilà qui est fait. Et alors, vous avez vu que on a en dessous un petit coffre qui est assez bien rempli. J'ai plus de place dedans. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment... Attendez, on va kill, on va le butcher et on va mettre à cuire. Donc, on va refaire un deuxième petit coffre. J'aime bien le bruit que ça fait, écoutez. Quand on met la viande dessus, ça fait vraiment comme si on grillait quelque chose. Je trouve ça bien fait. Donc, on va se refaire un deuxième petit coffre parce que on en a besoin. Je ne veux plus partir looter avec trop de choses dans mon inventaire. Si jamais on vient à mourir, c'est du pareil au même. Ah, il est là. Si jamais on vient à mourir, eh bien, on perd tout encore. Et donc, c'est vraiment du farm pour pas grand-chose et les journées sont vraiment passées à ça. Donc, on va le poser là-bas. Comme ça, on va sortir, mais vraiment avec rien. Le deuxième plan pour la journée, il est médium, on a encore le temps. Ce que je pensais faire, donc une fois que ce sera fait, qu'on aura posé la raffinerie, bah écoutez, on va le faire d'ailleurs tout de suite parce qu'on a besoin eh bien, d'une fondation en plus pour poser ce truc-là. On va prendre une plaine, on n'aura plus de bois, on pourra en refaire, il faudra en refarmer d'ailleurs pour la nuit. Ce qu'on va faire, on va faire des planches avec tout. Hop, et donc on va avoir 4 planches, 8 planches, très bien. Donc une fois que notre fondation sera faite, on va la mettre là, on va regarder la viande pour pas qu'elle soit trop cuite. Et voilà, parfait. Et on va l'éteindre, maintenant il y a 14 degrés, on va essayer de ne pas perdre tout le fuel, ce n'est pas nécessaire. Pour le moment, on va pas trop ranger les coffres, on va juste faire ça. On va te mettre là en attendant, voilà. Fondation est faite. Alors, mon idée, en fait, de faire la raffinerie était pour faire les lockpicks plus tard. Pour la fin de l'épisode, en fonction de ce qu'on va looter, j'aimerais soit faire le woodburner pour remplacer le feu de camp, qui nous permettrait de faire... Qui nous permettrait faire, de faire fondre la graisse, parce qu'on va devoir chasser à un certain moment. Vous voyez qu'on a, fait ses feintes dans tout ce qui est... protéines. D'ailleurs, on va manger un petit peu et on va prendre une barre, comme ça on pourra courir tranquille. Donc j'hésite entre le wood burner, j'hésite entre le plant bed et le wheel head. Alors à mon avis, on fera peut-être le wheel head en avant de faire les plant bed. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour faire de l'agriculture. Pour le moment, mes ressources en eau sont assez... Sur moi, ça va encore, mais j'en ai que 5 et c'est pas énorme. Mais on a des graines de coton et on a des graines de tomates. Et donc, ce serait pas mal de pouvoir commencer à exploiter ce genre de choses. Et qu'on ait plus au moins à compter sur le loot pour... Attendez, j'ai envie de la placer correctement et de pas devoir la recrafter. On va se mettre là où on le voit mieux. Voilà. Donc, on pourra la faire ici. On s'en fout en fait s'il y a des murs ou pas, ça ne change absolument rien pour le moment. Mon but était ici de faire une toute petite terrasse avec le plant bed ici et on refera une petite terrasse au-dessus de la maison, mais ça quand on aura... Oh bonjour les loups. Quand on aura de quoi faire. Alors, on va pas prendre l'arme tout de suite. Oui, je sais, je t'ai entendu, je m'en vais de l'autre côté. Ce qu'on va faire, on va faire une toute petite session de farm. Donc tout ce qu'on va trouver, les caisses, on va essayer... Si on allait par là une fois. Il me suit pas. Ok. Donc, d'après les commentaires, vous avez envie de continuer à me voir looter. Oh, attendez. Mais cours. Ah, vous savez ce que j'ai oublié. Attendez. On va aller chercher une barre de protéines. Si le loup n'est pas trop près de ma base. Comme ça, on pourra courir assez bien. Vous voyez que si jamais je passe...
Voilà. Normalement, une fois que je suis dans ma verdure, voilà. Tu joues avec le feu. Non. Ah oui, il n'y a plus de place. Ça, je trouve ça marrant. En fait, quand vous êtes dans le coffre et qu'il n'y a plus de place, vous faites split. Et bien, en fait, il l'envoie balader. Et vous voyez, c'est un peu comme les scratchs de collant, comme ça, un peu particulier. On le split. On va en manger une. On va en manger qu'une pour le moment. On va peut-être. Allez, on va manger celle-là aussi. Hop. Non, eat all. All. Hop. Voilà, on s'en va. Ah, on a une planche. Les planches, en fait, on se vide. Au moins, comme ça, si on meurt, on meurt qu'avec notre pioche et notre hache. Et ce qu'on aura récolté, donc on n'aura pas perdu tant de choses que ça. Ce que je disais donc, on va garder le format du je vais crafter des petites choses avec vous en début d'épisode, enfin faire une petite séance de farm. Vous êtes tous d'accord, hein, d'après les commentaires, enfin ceux qui m'ont laissé des commentaires, que ben, le jeu est un jeu où il y a beaucoup de farm et donc je peux pas ne pas vous montrer le farm. Et puis bon, ben, je fais le bois sans vous, parce que dans mon avis c'est un peu ce qu'il y a de plus chiant. Et tout ce qui est petite caisse où je pourrais me faire tuer par un ours ou quoi que ce soit, eh bien je le fais avec vous. On n'est pas à l'abri d'une bêtise, comme je le dis toujours. D'un petit fail, comme je le dis toujours. Donc voilà, et après retour à la base, et on voit si on peut crafter des petites choses, faire des petites choses avec ce qu'on a récolté de la journée. Et là en fait, vous voyez, c'est bien parti, hein. On va pouvoir crafter beaucoup de choses ce soir en rentrant. Par là. Allez, côté gauche. Pas toujours du côté gauche, du côté du cœur. Là-bas, il y a l'air d'avoir quelque chose. On va essayer de gérer sa stamina. Hop. Alors, les petites poules, je les aime bien. Mais, oh, il y a un loup là-bas en plus, donc je crois pas que j'aurai le temps. On va essayer de l'avoir. Sauf si elle s'en va vers le loup. Ouais, elle s'en va vers le loup. Ça ne sert à rien d'aller la chercher. En plus, il y en a un autre là-bas. Donc, allons de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, en fait, je n'ai pas posé la raffinerie. Ce qui est absolument idiot de ma part, parce que ça aurait déjà pu travailler de la journée sans nous. Notre petite caisse, il n'y a rien. On va sprinter un tout petit peu. Hop, là-dedans, on va peut-être trouver des choses à manger. Miam, miam. Et oui, c'est pas mal. C'est un petit coffre tranquille, c'est pas mal. Hop. Ça n'empêche des beaux paysages et une belle carte, hein. Je trouve ça super bien. Je suis impatiente d'avoir le multi et en même temps, le solo me plaît bien. Ça ne me dérange pas d'avoir... C'est quoi ça là-bas au-dessus? Un petit truc qui dépassait. Une caisse, ça va, c'est bon. Ça ne me dérange pas de le jouer seul parce que j'aurais peur que ça soit trop un rust en fait. J'ai pas envie d'avoir un gros truc PVP. Des allumettes, c'est toujours bon à prendre. Une allumette par jour, c'est la vie parce que sans allumettes, ben, on meurt. Attendez, on va aller ramasser ça. Surtout si on a la raffinerie. Ça peut nous être utile. Est-ce qu'on pourra le faire de là? Non, évidemment pas. Très bien. Et toi? Non plus. La hitbox est un petit peu buggée. Bon, c'est un jeu en alpha, on accepte. Il y en avait une au-dessus, on va aller voir au-dessus ce qu'il y a, en faisant bien attention de ne pas tomber sur un ours ou quoi que ce soit. On a la stamina pleine, donc c'est pas grave. Ah ben, voilà. Non, c'est dingue, hein. Et on prend quoi? C'est du copper. Copper, pour le moment, ne nous est pas trop utile. C'est de l'iron qu'il nous faut. Mais, bon... Pour le moment, on va prendre un peu tout ce qu'il faut. Et ça, c'est du... Iron. Parfait. Donc du blanc, c'est de l'iron. Là-bas, il y a l'air d'avoir du monde. Et là-bas, il y a l'air d'avoir quelque chose. Il n'y a pas l'air d'avoir de monde autour. On va vite faire un petit run pour l'attraper. Youpa! Alors, il faudra essayer d'aller tuer un ours parce qu'on a besoin de protéines. On ramasse pas beaucoup de barres. Et on a besoin de peau pour faire pas mal de choses. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire aussi avant qu'il fasse nuit, on va faire un petit détour par la base, vider son inventaire et essayer d'aller en tuer un. Au moins comme ça, si jamais on meurt,
ce qui est. Ça ne cherche pas. Il n'y a rien ici. C'est vide comme ça. Il n'y a pas d'air au sol. Très bien. Comme ça, si jamais on meurt, bon, on perd le gun. On essaiera de le faire pas trop loin de la base, comme ça on aura peut-être une chance de le récupérer. Mais au moins, on va essayer de se faire un loup. Hein. J'y échapperai pas et c'est le principe de vie. Enfin, c'est le principe de la survie. C'est de se nourrir en protéines également et pas qu'en barres. Donc on va voir. On aura besoin de la graisse aussi, donc au pire, bon bah on se fait, c'est pas grave, on aura le fail de la vidéo. Alors, on trouve pas des masses, hein. On trouve pas grand chose. Normalement, ce biome-ci est censé être un biome où il y a moins de matières premières et plus de caisses. Ouh, il y a plus de loups aussi. Allez par là. Par contre, on fait attention, on a plus de stamina. Et on est au milieu de deux loups. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. On va. Attention. On va aller par là. Il y a l'air de rien avoir. Faudrait des petits arbres en fait pour pouvoir aller récolter du bois tant qu'on n'a pas de stamina. Non, pas par là. Il y a un ours. Et on a faim. Oui, mais on n'a pas de barre protéinée sur nous encore et on a mangé tout le poulet qu'on avait. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai couru après des poulets. J'aurais pu l'attraper 3 fois et je sais pas si c'était buggé ou quoi que ce soit, mais j'avais la main, j'étais dessus et pas moyen de l'attraper. C'est un peu ralent, surtout quand on sait qu'on s'expose parce qu'on n'a pas de stamina. Donc... on l'a attrapé. Aucune. D'accord, 0 sur 3. Parfait. En fait, c'est... Oh non, je m'en vais, je rigolais, je sais pas où t'es. Non mais là c'est toi qui es venu me chercher hein Fifi. Je te laissais gentiment en paix. Ok, il ne nous chasse plus. On est tranquille, on prend ceci. Alors je préfère loot pour le moment sans armes, sans rien, comme ça je perds pas d'armes encore si jamais je viens à mourir, ce qui est encore fort. Probable, me connaissant surtout. Une fois qu'on sera un peu plus à l'aise et qu'on pourra s'en recrafter, on verra qu'on a pour s'en crafter un deuxième ou un shotgun ou autre, on fera... au moins on en gardera un sur nous pour dire de pas devoir à chaque fois courir. Si jamais on voit un de pouvoir essayer de le tuer. On ramasse pas grand chose. Hein. Notre base est par là. Un petit point de vue. Allez, sur un point de vue pareil, on devrait voir au moins un petit quelque chose. Là, c'est quoi? Un poulet. Essaye. Il y a un truc là-bas à gauche. Non, ça va. J'avais peur qu'il m'amène sur la gauche et qu'il y ait un loup. On regarde bien. On n'a pas de stamina, on va pas savoir l'attraper. On va arrêter de le poursuivre parce qu'on n'a pas de stamina. Quelle heure il est? Bon, écoutez, on va retourner à la base. On est à côté de la base. On va prendre notre revolver. On va juste faire un petit tour par le bas. Il n'y avait pas un ours ici tout à l'heure? Il n'y avait pas un petit ours ici? On devient parano à la fin. Oh là-bas, attendez. Alors ici il y a de la plante. On va la manger. Ça va nous aider. Si c'est un petit loup level 1, on viendra le refaire. Quoi ça? Munitions. Malheureusement, c'est pas vraiment. J'aurais préféré une de soins. Mais bon, on fera avec, hein, on va pas être difficile. Ok. J'ai l'impression que là-bas il y en a encore une.
Ça m'a tout l'air d'être du fer là-bas. Non, c'est des plantes. Ouais, j'ai vraiment du mal. Je pense, j'étais certaine qu'il y avait quelque chose. On fait un petit tour par là et on rentre vers la base. Voir si ici il n'y a rien de caché. C'est vraiment des caisses médicales hein, qu'il nous faudrait. Celles où il y a des pommes ou où il y a ce genre de choses. Il nous faut vraiment des fruits et légumes. Au-dessus là-bas, il n'y en a pas. Non. On va se faire une petite plantation de tomates. Non, là on s'est déjà fait avoir une fois. On sait que ça n'en est pas une. On va juste aller récolter un arbre. En attendant de faire remonter notre stamina. Vous voyez ici, elle remonte. Pendant qu'on coupe du bois, ça remonte. Ce qui n'est pas très, très logique, mais on ne va pas s'en priver. Voilà, on a eu 2 sur 4. Nice. Et voilà. Encore en faire un. Ah, attendez, ça. Iron. On prend. Est-ce que c'est de l'iron? Ouais. On prend. Et un petit arbre là. Et vous voyez, maintenant, on est déjà en jaune, en stamina. Donc, on pourra faire un run jusqu'à la maison. Voilà. On va tout transformer. On n'en a qu'une. On va en faire 8. On va en faire 8. Non, non, on va rester comme ça. J'ai plus de bois dans mon feu de camp. On va faire un run jusque là-bas au-dessus. Pour éviter le loup qu'on a à notre droite. J'ai pas regardé quel level il était par contre. C'est un peu dommage. Je peux pas le voir d'ici. Mais il s'en va. Hein. Oh, il y a une caisse là. Comment on va la chercher? Par ici. Oh, il y a encore de l'iron. Priorité à la caisse parce que c'est une caisse comme on les aime. Voilà, avec des bouteilles d'eau, ce qui n'est pas mal. Et un cuir. Oh, mais c'est génial en fait. C'est ce qui nous manquait. Hop, attendez. Là, on va savoir le prendre comme ça du coup. Non. Voilà. Ça, c'est encore de l'iron, donc c'est très bon. Voilà. Allez, on rentre à la base. On va poser la raffinerie. Base, là-bas au-dessus. On va poser la raffinerie. Et on va voir, parce qu'avec 3 pots, on peut faire quelque chose. On ne veut pas perdre d'heures de soleil pour farmer, mais... Chaque fois, je crois que c'est des petites caisses, mais c'est des petites herbes comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait faire ici dans... Alors, on en a 3. On a pas mal de petites choses. Le wood burner, donc maintenant, on peut le faire. Est-ce qu'on fait le wood burner? Alors, ça, normalement... Quoi? Je peux pas le placer? Alors, ça, c'est un souci. Normalement... Ah! What? Ah mais oui, non, 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 je sais pas pourquoi je pensais que c'était mon extracteur d'eau. Je me dis, mais il doit être par terre, mon extracteur d'eau. Mais non, en fait, c'est pas mon extracteur d'eau. C'est la raffinerie. Donc la raffinerie, on va la placer... Alors, il y aura peut-être une fenêtre, donc on va la mettre au coin. Hop, comme ça. Voilà, la raffinerie. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Power par seconde, ça ne m'en prend pas. Donc ça a coûté un peu d'énergie pour la créer, donc ça c'est normal. On a besoin d'iron et on le turn on et ça nous prend 0,50 par seconde. Très bien. On va voir si ça prend longtemps pour en avoir un. On a que ça qui tourne pour le moment, donc c'est pas grave. Donc maman fonctionnant, c'est bien, c'est comme ça qu'on continue à augmenter. Parce qu'on a un income de combien ici en fait par seconde? Ah non, 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 ça n'augmente pas. On a un 0,33. Et ça, c'est du 0,5. Donc ça nous coûte, en fait, de faire fonctionner ça.
Ok, donc j'imagine de toute façon quand il n'y en aura plus, ça va s'éteindre. Et alors, par bâtiment, vous voyez ici, il y a des upgrades. Donc si on veut pouvoir... Speed, décor laser, allowing an additional slot. Donc si on veut pouvoir apparemment refine plusieurs items en même temps. Et alors ici, c'est pour le power efficiency, pour une réduction de 25% du coût en énergie. Ce qui vaut la peine, mais bon, vous voyez, c'est quand même assez cher. Et donc, on a notre premier Iron Fragment. Ça n'a pas pris tant que ça. Ça va encore. Il nous en faut combien pour le rifle, du coup? 15. On en a avec... Oh, bah écoutez, on a pour faire le rifle pour le prochain épisode. On va mettre l'iron qu'on a. On en a 6 ici. Attendez, c'est quoi ça? Iron et potassium. Potassium, c'est pour faire des grenades. Pas tout de suite. On va d'abord passer de par l'iron. On va tout utiliser. On va laisser utiliser tout. On va tout faire comme ça. C'est bien comme ça. Alors, on a pour faire le rifle là. Toi, je pense que je t'avais mis ici dedans. On va mettre tout ce qui est minerai dans celui-là. Et tout ce qui est nourriture, tiens, hop, comme ça, on va ranger un minimum et rapidement avec vous. Nourriture, voilà, hop, il n'y en a qu'un de toute façon là de nourriture. Et les petites allumettes, tout le reste, et construction et armes, ici. Non mais toi du coup, tu vas pas là. Hop, on va prendre notre petit pistolet, on va laisser ça. On a du bois pour la nuit, on a du bois pour la nuit. Et on a 12 balles. On va prendre la moitié. Voilà. On pourra en fabriquer si jamais. Et l'eau, on va la mettre là. Et donc, je propose qu'on essaye de voir s'il y a moyen de se trouver. Oui, on a vraiment besoin de protéines. On va recharger un petit tout de là. Un petit ours. Non, pas un petit ours. Un petit loup. Pendant ce temps-là, on réfléchit à ce qu'on va faire. On va peut-être pas courir de trop non plus. On va garder sa stamina si on doit lui échapper. Notre base était là, donc il y en avait un là-bas en face, je crois. On a encore un tout petit peu de temps. Ah, là, il y a des fibres, ce qu'on va prendre hein, au cas où. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? J'ai envie de me rendre au moins indépendante par rapport à tout ce qui est nourriture. Donc je me dis qu'on va créer pour faire les plantes. On va créer le puits qui va prendre un... Non, bah c'est un ours. Qui va prendre un petit temps à se faire. Et ça, c'est quoi? Qui va prendre un petit temps à se faire. Et puis, c'est un level 1. Ok, vous savez ce qu'on n'a pas pris? Du soin. On y va comme ça? Ah ben, de toute façon, il m'a vu, donc on va peut-être m'en mettre obligé. Allez, viens. On va essayer de prendre un terrain dégagé. Voilà. Allez, on y va. Ah, recharge! Bon, évidemment, je prends un chemin où je suis. Oh, c'est pas vrai! Je me dis que je prends un chemin dégagé. Je me prends derrière une colline, s'il te plaît. Mais non! Bon, l'avantage, c'est qu'on est au pied. Oui, on est au pied de notre maison. Et on est où? What? Pardon, je m'en vais? Tout de suite? Tout de suite, tout de suite? Bon, il va falloir qu'on s'entraîne, hein. Non, 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 je rigolais. Oh, un ours. Ah, mais il y a du fer. On doit pas être trop loin de notre maison, en fait. On va en avoir besoin pour recrafter un gun. Notre maison, elle est pas là-bas au-dessus, quelque part. Bon, là-bas, il y a des caisses. Toi, on va prendre. Poulet. Poulet. On va pas être sûr. On va chercher les caisses. Au moins, on est sûr, les caisses. Oh, mais non, mais je suis... Oh. Bon, l'avantage, c'est qu'on a plus faim. C'est pas du tout le coin où j'ai ma maison, aussi. Hein.
pas du tout ce coin-ci. Allez, avance, prends-le. Et il va faire nuit. Le soleil se couche par là. Donc je pense qu'on était plutôt dans ce coin-là. On va chasser comme ça, faudrait laisser notre feu allumé. Comme ça, on aurait peut-être une petite indication d'où c'est. Bon, pour le moment, c'est bien, c'est qu'on peut courir. Ah! Ah, mais voilà! On était au pied de la colline là-bas. Par contre, maintenant, il y a un loup level 2 au pied de notre colline. Donc, on va faire un tout petit peu attention. Peut-être pas une deuxième fois, hein. On s'en va. Allez les lapins. Allez les lapins. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la caisse. Construction, il n'y a rien autour. Ouais, on va essayer de la prendre. Hop. On a normalement c'est 100 secondes avant que le truc apparaisse. Et je pense que c'est 5 minutes pour récupérer notre caisse. Je pense qu'on est juste à temps pour récupérer la caisse. Maintenant, j'espère juste que le loup n'est plus là. C'était ici au pied qu'on était mort. Ou là-bas. Ça m'a pas l'air d'être ici, en tout cas. Je vois pas de loup. Pas que j'ai envie de refaire un tête-à-tête avec lui, hein, mais... Si on avait un pas très très loin, on sait que c'est... Ah. Et là, il y a un level 2. Donc à mon avis, on est mort. Au pied de ce rocher-là. Il va faire nuit. Je vais juste monter sur le rocher pour voir. Normalement, sur le rocher, il viendra pas me chercher. Dis-moi qu'il y a ma caisse. En gun, je crois qu'on est assez bien pour en refaire un. Il n'y a plus de caisse? Oh, c'est une blague. C'est au pied de celui-ci qu'on est mort, hein. Faudrait se renseigner parce que... Ouais, normalement c'est ici. Et on m'a déjà signalé en fait que des gens étaient retournés sur l'endroit où ils étaient morts et ils retrouvaient pas leur caisse. Bon, du coup, on va partir. On s'en va, parce qu'on va pas rester dehors la nuit. On va juste regarder ici. Je pensais que j'avais plus de place, vous voyez. Je pensais que j'étais plus par ici. Bon, pas d'excuses, hein. On est nul, on s'en fout. Ce n'est pas grave, on va s'améliorer. On ne peut que s'améliorer, en fait. Et du coup, on n'a plus de protéines, mais on n'a plus de soucis de protéines non plus. Au final, on est bien en protéines. Et donc, heureusement qu'on avait vidé tout notre inventaire ici dedans. Alors, raffinerie, du coup, ça donne quoi? 10, c'est bien. Donc, on en a encore 18 à faire. On augmente quand même. 275. Donc, on est d'accord. On est en in 0,33. Et moins 0,5. Très bien. Il doit y avoir un truc que je ne comprends pas, en fait. Si on a 0,33 qui rentre... Ah, mais non, ça diminue. Je croyais qu'on était à 0,60 et quelques tout à l'heure. On est à 200... Ouais, non, ça va, ça diminue. C'est ok, c'est logique. C'est juste moi qui pensais qu'on était à 0,60 et quelques tout à l'heure. Ok, donc, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut se crafter ici dedans? J'espère qu'on aura assez. On va d'abord faire le wheel head, du coup. Est-ce qu'on aura assez? Non, on n'aura pas assez. Et il faut qu'on mette une augmentation d'énergie pour le crafter. Dommage. Attendez, on va d'abord allumer ça. Allume. Et on a du bois. On a du bois. Allez, prends le bois. Voilà. On a du bois. Ok. Ça va peut-être être juste. Attendez. Tant qu'il fait 16 degrés. Il fait 16 degrés. Dire qu'on doit avoir
un générateur qui nous fournit plus d'électricité, ou alors on doit non, on doit avoir un générateur qui nous stocke plus d'électricité que ça. Parce qu'il nous faut... T'as une blague? Il nous faut 600. C'était quoi pour avoir plus d'électricité? C'était le power storage. Et on a peut-être bien pour le faire, mais il nous coûte 500. Donc ce qui veut dire qu'on doit arrêter la raffinerie, mais ça c'est faisable. Donc à mon avis, on va faire ça. Power storage. Power storage. On va faire ça. Ce qu'on va faire en attendant, c'est refaire une fondation en plus. Hop. Parce qu'on devra la mettre quelque part aussi, ce power storage. Et j'ai pas envie de... Ouais, on va refaire une fondation en plus. J'ai pas envie de trop tout entasser alors que bon, au final, on va devoir fermer pour faire plein de trucs. Donc c'est pas plus mal. Et donc, bah écoutez, on va garder en soi pour faire le power storage pour la prochaine. Donc moi, je vais laisser cette nuit-ci, ceci fonctionner le temps d'avoir pour faire un petit lockpick. C'est ici dedans. Pour faire un lockpick, il m'en faut, on avait dit... 18. Ou alors pour le rifle, il en faut 15. Donc on va laisser en faire 18, comme ça on décidera pour le prochain épisode. Vu comme on est doué avec les armes, on va éviter les armes pour le moment. Je crois qu'on va développer notre base, hein, et on va rester comme ça. Donc à mon avis, ça va plutôt être l'autre. On verra bien. Et une fois qu'on aura les 18 qui seront faits, vous voyez, ça va plus tarder. Je vais laisser recharger l'électricité pour qu'on puisse avoir un lockpick et plus avancer sur la base pour faire de la création de base. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou si vous dites « Oh non, 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 il faut absolument que tu fasses tout à fait autre chose. » En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!